de Repentigny. Monsieur le Président, la semaine dernière marquait les 100 jours de la ministre du Patrimoine qui suit de près quant aux coupures dans le financement des magazines télévisés, des magazines de sociétés télévisées. Ces émissions, Monsieur le Président, sont une spécificité québécoise. Mais le resserrement des critères dans l'application du crédit d'impôt pour les productions cinématographiques et magnétoscopiques canadiennes continue de menacer leur survie. Mais ce ne sont pas les critères qui ont changé, ce sont les consignes qui ont été données aux fonctionnaires du ministère. Alors la ministre, qui vient par ailleurs elle-même du Québec, va-t-elle enfin rappeler son ministère? L'honorable ministre international, du développement international et la francophonie. Monsieur le Président, nous sommes toujours très sensibilisés à faire la différence entre les juridictions fédérales et provinciales. La ministre du Patrimoine canadien assure ses fonctions dans le plus grand respect de ses responsabilités. Et voilà. Merci.